Ok, je crois que c'est bon. 21h. Et non, 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 je suis pas en retard. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ok? Est-ce que vous m'entendez, les crows? Coucou Toshi, coucou tout le monde! Comment vous allez bien ce soir? Tintin. En retard de 56 secondes, putain. Là, je crois que c'est un peu abusé. Yo tout le monde, yo. Salut Toshi, on t'entend parfaitement bien, bah nickel. Hey, bienvenue Croqueur de Panda. Salut. Moi ça va super, hein, week-end. Comme toujours, comme tous les vendredis soirs d'ailleurs. Bon, ce soir les crocs, sur quoi on se retrouve? Je crois que vous l'avez vu. On se retrouve sur Lucius. Et c'est un peu un choix qui s'est fait à la dernière minute, figurez-vous, car je n'ai jamais joué à Lucius. Je ne connais même pas le jeu, en fait. Je connais vraiment deux noms, vite fait. Mais je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'horreur. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'aventure, de l'action. J'en sais rien en fait. J'en sais absolument rien. Et beaucoup d'entre vous connaissent ce jeu. J'ai vu en commentaire sur la vidéo annonce. Putain! Non! Si, 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 si. Et merci Licknat pour ton petit don, ça commence bien ce soir. D'ailleurs, 666, attendez, faut que je vous révèle un truc à ce sujet. Ma connexion, ah, juste avant le live, je vous promets que c'est pas une connerie les crocs, je vous le jure, que ma connexion est restée bloquée à 666 KB seconde. Je vous jure, c'est resté bloqué à 666 bordel, et sachant que ce jeu... On est censé être le fils du diable. Donc ça va être un peu... voilà, un peu sataniste. Satanique. En tout cas, merci beaucoup pour ton petit don. Ça fait plaisir, tiens. Bon, bah ouais, donc voilà, je ne connais pas. Écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ce jeu. Donc vous allez pouvoir m'aider, je pense. J'ai vraiment hâte d'essayer, je connais pas. Écoutez, on est parti! Salut Toshi, j'ai découvert il y a peu de temps mon pseudo YouTube et Katmi, tu te souviens? Katmi! Katmi, non, je me souviens pas, Katmi, désolé. C'est ma faute, le 666 des Toshi. Ah ouais, mais diable, diable. Par de là, diable. Est-ce que ce truc qui bug qui t'a décidé à jouer à ce jeu? Non, non, pas du tout, c'est juste avant le live en fait. Bon, bah écoutez, c'est parti. Salut Riku, nouveau jeu. On verra bien ce que ça donne, ce Lucius. Donc ouais, on incarne, de ce que j'ai compris, on incarne le fils du diable et il nous envoie en mission pour tuer des gens, voilà. Parce qu'il a la flemme de le faire, notre père, voilà, il a la flemme. Donc nous, le petit-fils du diable, on va aller buter les gens. Ça peut être fun, écoute, on verra bien. Je connais pas, je peux pas m'avancer sur ce jeu, je connais pas vraiment en fait. J'ai un fils depuis quand? Ton fils s'appelle Lucius, diable. T'as mis les sous-titres VF? Je sais pas, on verra. Je sais que le jeu est en français. Je sais pas si j'ai activé les sous-titres, mais on verra bien. Hey, 4000 LOL, bienvenue! Hey! 6 juin 1972, froid comme l'enfer. C'est pas plutôt chaud comme l'enfer? Depuis quand l'enfer c'est froid? C'est le 1, c'est Lucius 1, c'est pas le 2, c'est le 1. Ok, ils sont déjà en train de faire un rituel satanique, c'est quoi ce bordel? Non, c'est juste une fête d'anniversaire, je pense.
It's time to blow out the candles. Ah bah, il y a les sous-titres. Remember to make a wish, honey. That's my boy. Et voilà Lucius. Very good. Donc c'est celui qu'on va incarner, donc le fils du diable. Il a déjà une bonne tête de psychopathe, hein. Mary, could you please clean up? Lucius can help you with the dishes. He can stay up later this evening to play with his new toys, but in bed no later than 10. Yes, ma'am. Ok, donc ça c'est notre mère, j'imagine. Et elle nous dit d'aller au lit à 22h. Plus tard dans la soirée. Oh là là, la tête qu'elle a, la femme de ménage, là. Oh. Oh là 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 là. Et nous voilà. Prêts à tuer. Prêts à tuer des gens. En fait, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on incarne vraiment le méchant, en fait. On incarne le méchant. Et ça, c'est plutôt cool. D'accord. Ah, voilà notre père, voilà le diable. Oh putain, la tête qu'il a. Ok, donc il a arrêté le temps, je pense, pour venir nous parler. Parce que oui, le diable peut arrêter le temps, les creuses. Si vous ne saviez pas. Ok, je viens de fermer la porte. Ouais. Oula, il y a eu un petit bug. Ah, c'est bon. Ok, nous jouons. Ok, c'est nickel. Alors attendez, hein, que je me fasse au gameplay. Mousse 1. Introduction ATH. Vas-y, introduis-moi l'ATH. Pas là où je pense, mais... compétences actuellement sélectionnées. D'accord, on a des compétences en bas à gauche. Indicateur de détection. Niveau actuel de la compétence. Ok, c'est un espèce de tuto donc pour nous expliquer un peu le... Prends le cadenas sur la table en appuyant sur mousse 1. Donc on a une... Attendez, je regarde comment ça marche vite fait parce que... Bon, au pire on verra plus tard les crosses. Donc on nous dit de prendre le cadenas. Il est ici. Non, là je viens de récupérer une assiette. Non, je n'ai plus faim. J'ai eu assez de gâteaux pour mon anniversaire. Ah, le cadenas ici. Nouvel objet dans votre inventaire. Prends, relâche les objets en appuyant sur mousse 2. D'accord, on peut lâcher les... On le met dans notre poche, d'accord, on le met dans notre poche. Ok, alors j'imagine qu'il va falloir enfermer cette pauvre dame dans la... Elle est en train de nettoyer la chambre froide, est-ce qu'on peut aller la voir? Bonsoir. T'inquiète pas, tu vas finir ici, salope. Arrête de laisser des traces par terre sur mon sol propre. Ok, je te laisse. Alors attendez, est-ce qu'on peut fermer la porte? Merde, je viens de la rouvrir. Non! Oh! On vient de l'enfermer. Ok, je crois qu'on va avoir notre premier meurtre. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Désolé, je sais pas ce que t'as fait pour mériter de mourir, mais c'est mon taf. Voilà, c'est papa qui m'a demandé de te tuer, donc... Oh, ça sent mauvais, ça. Oh, oui. Il est tout content. Lucius win. 1-0. Yes. Eh ben voilà, ça commence bien. GG touché pour ton premier meurtre. Ben merci beaucoup, Virginie. Regardez-moi ça. Oh, c'est excitant. C'est effectivement un sadique. Salut la Gérard. Oh, un croc. Un croc. Qu'est-ce que tu fais là, croc? On s'invite à la fête. Oh là, regardez ses yeux, ils deviennent tout rouges. Oh putain. Putain, ça me donne trop envie de revoir le film Damien la malédiction, maintenant je te l'étouche. Bah désolé, Vocalen. Regardez, elle est morte.
et le cauchemar ne fait que commencer. Alors on m'a posé la question pourquoi on s'appelait Lucius, je ne sais pas. If I put the pieces together, this all started. Ah merde, il n'y a pas de sous-titres. With the arrival of a new life. Ah, bah je les activerai après. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de sous-titres. Dante Manor was a place filled with darkness. Petit plouf, j'espère que t'es là. And hidden histories in that house. I tried to help. I should not have become so involved. But how these things unfold when we are thrust on the scene, I can't account for it all. For my part in these events, I waive responsibility. But it's there. It's a mark. A mark I should have noticed. At its source. Putain, on dirait trop un film, comment c'est présenté. Ok, donc en gros, de ce que j'ai compris, c'est un enquêteur, c'est ça ? Lucius. C'est un enquêteur qui a parlé, parce qu'il y a eu beaucoup de meurtres ces temps-ci, et ça n'a pas été résolu. Ils ne savent pas que c'est Lucius qui a tué tout le monde. Dites-moi si je dois augmenter le son du jeu, les crows, hein, n'hésitez pas, surtout. Lucius, ah voilà, les sous-titres sont là. Ah, on peut jouer. T'es où, papa? Ah, t'es là. Comment tu vas, papa? You can trust me. You know who I am, don't you? Bah oui, je suis sorti de tes couilles, papa, quand même. Hein. Each offering you bring me will make you big and mighty. It's okay. A simple thing to do, Lucius. You can influence your future and become a master overall. But oh, so much to do, so much ahead of you. I have some things. Prends le carnet sur la table en appuyant sur mousse 1. Ok. Nouvel objet dans votre inventaire. You'll need this note. Alors, statut comportement, Lucifer. Ah, ouais, d'accord, ok. Utilise ton curseur pour sélectionner le carnet. Utilise ton curseur pour sélectionner le carnet. Je l'ai le carnet là. C'est ça le carnet, on est d'accord, hein. Marie. Ah, d'accord. Prends le carnet en appuyant sur mousse 2. Oui. Marie la domestique, Marie nettoie le congélateur. J'ai trouvé un cadenas sur la table. D'accord, donc c'est celle qu'on vient de tuer, elle. And look, a flashlight. This will help you find your way around at night. Ah, on aura une petite flashlight qui fait plaisir. Pick up your new toys and see how they work. Ok, on va prendre la lampe torche du coup. Yes. Je regarde un peu comment ça fonctionne. Ah, il faut les piles aussi, d'accord. C'est vrai qu'une lampe torche en pile, c'est moyen quand même. Hein. Hop. Such a bright boy. Place les piles dans la lampe torche en appuyant sur mousse 2 sur les piles, puis appuie sur mousse 2. Oh là là. Attends. Est-ce que... Ah, c'est bon. Je sais absolument pas comment j'ai fait, mais c'est fait. Ah, nickel, on a de la lumière. Cool. Toshi, monte le son, s'il te plaît. D'accord. Hop. Regardez, l'ombre du père a des cornes. Regardez. Je sais pas si vous le voyez. Excellent, ça. Putain. You wouldn't want that to happen. Go now, get the padlock before the adults wake up. Ok. Donc plus on tuera des gens, plus on deviendra puissant, c'est ça? Ok, papa.
J'ai du travail. Super. Accéder à la carte en appuyant sur M. Oh, la carte toute mignonne, tiens. Ok, donc nous sommes ici. On a un petit trait vert qui nous indique où aller. Donc, faut aller vers l'escalier. Eh ben, écoutez les creuses. Allons-y. Alors, on peut prendre, je pense, tout et n'importe quoi. Ouais, on peut prendre un peu tout ce qu'on veut, en fait. Bon, bah écoutez, allons-y. Allons tuer des gens. Donc là, faut pas oublier que notre mère nous a dit d'aller se coucher à 22h. Donc, je ne sais pas quelle heure il est. Mais on va essayer de l'éviter. On va essayer d'éviter tout le monde, en fait. On va essayer de se la jouer discretos, quoi. C'est bien parce qu'on peut aller vraiment où on veut. Ah, ça, j'adore. Ah, ça, j'adore. Fils, donne-moi des âmes. Putain, c'est vraiment sadique comme jeu. Mais ouais, mais c'est ça qui est cool. Ah, cette porte est fermée. Ah, cette porte... Ah bah, je pense que c'est là qu'il faut aller. Ouais, c'est effectivement pareil. Si les crosses, bah allons-y. Attention aux croix... Quoi ? J'ai pas eu le temps. Attention aux croix, elles t'affaiblissent. D'accord, il y a des croix de Jésus sur le mur. C'est ça ? Ah oui, il y a des croix de Jésus, d'accord. Bon. Alors, nous voilà dans le salon. Waouh, 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 waouh. Eh, c'est assez joli, franchement, je kiffe déjà, quoi. Est-ce qu'on peut manger une petite part de gâteau ? J'ai encore un peu faim. Piano, tu ne peux rien faire sans outils. Les pédales ont des boulons de 13 mm. D'accord. Et ça nous dit d'aller dans la cuisine. Ah oui, faut pas oublier qu'on a la lampe torche. Que j'avais oublié. Ok. Donc on est où là en fait? Putain, on est là, d'accord. À l'âge de 5 ans, Lucius apprend à tuer des gens, la suite dans le prochain épisode. Donc j'imagine que c'est par ici. Ouais, je crois que c'est là. Ouais, 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 ouais. Ah bah, nous revoilà dans la chambre forte, tiens, alors. Donc Marie, c'est la... Si j'ai bien compris, Marie, c'est la première personne qu'on a tuée, donc la femme de ménage. Ah d'accord, il a repris le cadenas pour ne pas qu'on le soupçonne, d'accord. Je devrais le mettre dans ma poche, comme ça personne ne le trouvera, ça pourrait être utile pour plus tard. Oh là là, télékinésie. What the fuck. On vient d'apprendre la télékinésie. Toshi, tu pourras regarder la troisième vidéo car il y a une partie qui est pour toi sur YouTube. Quelle vidéo là, Gérard ? Je ne comprends pas. Ah ! Voilà le détective. On se demande bien qui l'a tué. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. Je sens que lui va bien nous foutre dans la merde quand même. Hein. Il va pas nous laisser tranquille, je pense. Ça va être très difficile de tuer des gens maintenant qu'il est là. How can something like this happen, detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep. Oui, oui, la femme de ménage s'est enfermée dans la chambre froide et est morte. Son cœur a lâché tout simplement. Comment on peut croire ça, quoi? We'll try our best. Fumais-tu? Ok, donc on va devoir tuer quelqu'un qui fume, j'imagine. Ok, ça me va. Mission acceptée, allons-y. Donc là, les crosses, ça va être simple, va falloir réfléchir. Donc j'imagine que c'est lui qu'il va falloir tuer. Il faut réfléchir à comment le tuer sans qu'il s'en aperçoive. On est un petit malin. On a 5 ans, mais il y en a là-dedans, vous inquiétez pas. Ok, donc le mec est alcoolique et fumeur, tout va très bien. Il doit mourir, il doit mourir. Hi, Jean. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year.
It's a private matter, and an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Gene. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair, if you need anything. Take all the time you need. Ok, donc il va rester tout seul. Bon, écoutez, Cross, c'est à nous de jouer, là. On n'a plus trop le choix. Il faut qu'on le tue. Donc, on a un cadenas, un carnet, une lampe torche pour le moment. Très bien. Allons-y. Oh, maman. Comment tu vas, maman? Mary is now in a much better place, along with her husband. Elle nous parle de la femme qu'on vient de tuer, quand même. C'est assez, assez glauque. Hein. Est-ce que c'est lui? Salut toi. Non, c'est pas lui. Okay. Je reviens maman, je vais tuer quelqu'un, je reviens. Hey, bienvenue MDS sur Twitch. Bienvenue à toi. Ok, on va regarder la map vite fait, où est-ce que je dois aller. Donc je suis ici. Donc faut que j'aille par là, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Par ici. Caichou est en retard. Putain, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible, Caichou. Salut Véronica. En fait, on repasse par exactement le même chemin que... Ah d'accord, il est là. Ok, le mec est censé être... Ouais, il est là. Ok, nickel. Ok, alors... Comment va-t-on faire, les crosses? Salut, Okidoki! Il faut tuer ce méchant garçon. Bien, bon, on va se la jouer cool, on va marcher. On va faire le tour. There you are, Lucius. I believe you've grown since I last saw you. C'est vrai. Fais pas le malin avec moi. Ok, donc il est en train de regarder la télé pour le moment. Comment se passe tes leçons? Oh, super, bien, t'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas pour ça. Donc le mec s'appelle Gene. Ok. Gene, le collègue de mon père. Il vient voir mon père pour parler affaires. Je déteste quand il fume dans la salle à manger. Ça me donne mal à la tête. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va le tuer. Alors, on a une bouteille. Est-ce qu'on peut... Stop creeping around, Lucius. You're making me nervous. Merde, je viens de casser la bouteille. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut... Oops. Non. Well, accidents do happen. Alors c'est bizarre, j'ai un indicateur de détection. Ah, c'est ma mère, merde. I know. Ah oui. He can be a bit odd, but be a sweetheart and be polite to Gene. Ouais. He is a guest in our house after all. Est-ce que tu feras du Monstrum? Tu sais que tu peux te cacher sur... Oh, j'ai déjà fini Monstrum. Hein. Monstrum, c'est de l'histoire ancienne. Ok, donc notre mère nous a grillé, mais c'est pas grave. Je sais qu'on a des pouvoirs, mais je ne sais pas comment les... Oh merde, je sais pas comment les utiliser en fait. Bon, réfléchissons. On a un piano. On a une télé. On va essayer de fouiller vite fait s'il n'y a pas un petit outil qui nous permettrait de tuer Gene. Bon, on dirait qu'on a que dalle ici. Est-ce que je pourrais le lui taper sur la tête avec la bouteille en fait? Non, je ne peux pas. Oh, désolé. Alors attends, on dirait que je peux prendre quelque chose sur le... Je peux prendre quelque chose sur sa table, je sais pas ce que c'est, des allumettes on dirait. Ok. Faut aller dans la cuisine Toshi, d'accord. On va aller faire un petit tour dans la cuisine, du coup. Alors. Four à gaz avec système de sécurité visible. D'accord. Ah, on a un couteau, putain, là. Prends-le. Il y a un couteau. Pourquoi tu prends pas le couteau? Ok, bon. Il y a un couteau, mais on ne peut pas le prendre. Ça, c'est con. Oh, il y a un four. Ah. Et si on le foutait dans le four, les creuses? Putain, j'ai les yeux qui brûlent là. Oh! Alors. Ah, ici ça rappelle des petits souvenirs. C'est
Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas de temps imparti pour chercher les... Pour chercher ce qu'il y a à trouver, justement. On a droit de lui souffler où aller. Ah, vous avez le droit, hein. Comme vous me voyez un peu en galère comme ça, vous avez tout à fait le droit, les creuses, de m'aider un peu. Là, je fouille un petit peu. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire avec ce four, avec ce four à gaz. Je sais pas pourquoi, il y a un truc à faire avec ce four à gaz. Et bienvenue, Shine Live. Bienvenue à toi. Je crois que tu dois prendre les trucs discrètement sur la table à côté du mec sans te faire voir. Faut utiliser la gazinière, si je ne me trompe pas. On va tester. Ok, donc est-ce qu'on peut se baisser? Non, on peut pas. En fait, il faudrait que le mec ne nous voit pas, c'est ça. Bon, là, il est en train de regarder la télé. Ah, il y a la croix, là. Putain, on peut pas la... Cette croix nous fout mal, là. Faut la retourner. On l'a dit, ça, au début du jeu, que les croix nous affaiblissaient. Ok, donc toi... Ah, mais vu, putain. Oh, on l'a eu! On l'a eu. J'ai volé les allumettes de gêne. Le seul moyen d'allumer sa cigarette, c'est avec le four. Je devrais préparer un piège. Oh, putain, je m'en doutais. Le four a un système qui empêche le gaz de s'échapper. Il me faut un outil pour ça. D'accord. As-tu vu mes allumettes? Je vais m'en servir pour te tuer, t'inquiète. Je reviens. Ok. Donc il nous faut un outil. Ah mais merde, il va aller au four là, putain. Non. Pas maintenant, il nous faut l'outil. Putain, il nous faut l'outil. Il va arriver. Oh, trop tard. Ah. Bon. Alors attendez, il va allumer sa clope là. Ouais. Cache ça, Lucius. Alors attends. Ah shit. What's keeping your father? I need to find some new matches. Bon, il vient d'allumer sa clope, ça nous laisse environ 5 minutes pour trouver l'outil pour enlever la sécurité du bordel. Mais pourquoi est-il si méchant? Tout simplement parce que c'est le fils du diable. Bon, il faut qu'on trouve un outil. On n'a pas le choix. Nous avons pas le choix. Bon, il y a que dalle dans les tiroirs. Est-ce qu'on peut aller par là? Non. Oui, je la regarderai là, Gérard. Oh! I have told you 1000 times, you have to clean up your room first. Après, maman, après. Je tue quelqu'un et je vais ranger ma chambre, promis. Bon, alors attends. Stop creeping around, Lucius. You're making me nervous. Ah, ta gueule! Ah, shit. Toshi, c'est quoi le jeu? C'est Lucius. I need to find some new matches. I can't be messing with the other. Ah, il va se rallumer une clope, putain. Bon. Quoi? Il faut que j'aille dans ma chambre? Tu prends ton vélo? Tourne les croix, Toshi. Comment je fais pour tourner les croix? Je crois que je suis trop petit en fait. Ah non! Ah nickel! Cool. J'ai pu le faire. Il faut que j'aille dans ma chambre. Et que je prenne mon vélo? Quoi? Bon, on va essayer. On a un vélo. Oh, ok, il vient de nous dire où est le tournevis. Il vient de nous dire que le gaz donc est dans un mauvais état et qu'il allait emprunter un tournevis au concierge. Ok. Merci, Jen. Ok, donc c'est le concierge qui a le tournevis, j'imagine. Faut juste le trouver. Est-ce que c'est lui? Je pense pas, il n'y a pas une tête de concierge. Nouvel objet dans votre inventaire. Hey, Mr. Max 69, bienvenue. C'est une ampoule. D'accord, j'ai une ampoule.
Il faut que je trouve le concierge. Il y a tellement de pièces dans cette maison. Infernal. Hey, I'm working here. This is not for children. Il est dans les toilettes. Attendez, donc, attends, notre chambre, c'est celle-là, non? Il est où le vélo? C'est trop grand, je vous jure. Ah non! Notre chambre est là. Il est où le vélo? Il y a un vélo ici? Oula. Non, reste à ta place, toi. Bon, il n'y a pas de vélo, les crozes. Hein. Non, il n'y a pas de vélo. Alors, on m'a dit que le concierge était dans les chiottes. On va aller voir ça. Putain, on peut carrément aller dehors, là. Oh, cool. Ok. Can't you see I'm performing a delicate operation here? Why don't you go downstairs and watch TV? Putain, où sont les chiottes, quoi? Où sont les chiottes? Ah! Mais les chiottes sont là. Y'a que dalle. Ah, une croix, on va la retourner. J'y suis aux toilettes, regardez, j'y suis. Ça, c'est un toilette, non? Et il est pas là, le concierge. C'est pas grave, on va chercher autre part. Tu l'as pas encore débloqué ton tricycle, d'accord. Donc après on va avoir un vélo, ça c'est plutôt cool. Cette maison est sûrement le double de la superficie du manoir Malfoy. Ouais mais carrément ouais. C'est immense. Elle est où la croix là? Y'a pas de croix ici. Non, y'a pas de croix. Ok. Bon. Bon. J'ai pas trouvé les toilettes. Hein. Quoi? Je viens de passer devant. C'est lui? Oh, le tournevis est là, putain! Yes! Merci, Ecrose. Merci. Merci! On va pouvoir le défoncer. Putain, il arrive en plus. Allez, faut que je trace. Oui. Oui. Vite avant qu'il arrive, putain. Oh, cache ça dans ta poche. Ok. On va se mettre dans le coin ici, sur la chaise. On peut pas s'asseoir, merde. On va le regarder brûler, les crozes. On a réussi. Yes. Yo, Akaten, comment tu vas? Et c'est la fin pour toi. Oh my god. Oh. Et une âme de plus. Yes. Double meurdeur. Et voilà notre deuxième meurtre. Donc qui s'est plutôt pas mal passé. Ah bah nickel, Akaten. What can I say, Mr. Wagner? This is a real unfortunate series of events. Quite uncanny. Gene was my campaign manager and a friend of the family for many years. I'll be lost without him. Ah, c'est dommage. I know this must be a difficult time for you, but we really must do an investigation here. I'll need to speak to your handyman about the gas leak. This shouldn't have happened. Barbecue party. I had a feeling there was something weird going on. J'avais l'impression que quelque chose d'étrange se passait. I couldn't quite yet put the pieces together, so I took a step back for a while, let it brew. And after a few weeks, the call came in. Just when things were getting back to normal, there had been another accident in that godforsaken house. It happened on a rainy day. I think it was Tuesday. On va tuer le concierge. Quite the drinker was fixing a bathroom in the lower west wing. Ok, nickel. Putain, c'est bon ça. Ah, je kiffe ce jeu, Ecros. Je kiffe. En fait, on va tuer tout le monde dans cette maison. À la fin, il ne restera plus que nous. Donc forcément, on va être grillé. Déjà, l'inspecteur, il a des doutes là. Il commence à se dire merde. Il y a beaucoup trop de meurtres autour de ce garçon. Salut, papa. You've been doing very well, haven't you?
My, you make me proud. But I must teach you some of the more, let us say, subtle arts. Oui, enseigne-moi, papa, enseigne-moi. You can train your mind to move objects at your will. Tu peux entraîner ton esprit à déplacer des objets. Let me show you how. Oh. Vas-y, montre-moi. Oh putain. On a de la télékinésie, les crows, regardez-moi ça. Excellent. Oh yes. Papa, tu veux jouer avec cette petite voiture, non? Ah, c'est excellent. Tu peux déplacer l'objet que ta souris maintenant appuie et maintient enfoncé. Quoi? Putain, la voiture est buggée, j'en reviens pas. Ah non, c'est bon, j'ai réussi à la prendre là. Allez, reviens. Very good. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh. Oh là, j'ai... Attends. D'accord. Alors attends, faut que je mette ça donc dans le bordel. Faut attendre que ma jauge de pouvoir remonte en haut à gauche donc. Nickel. Ah merde, je l'ai mis à côté, putain. Je suis vraiment un putain de bigleux. Attends, c'est chaud en fait. C'est chaud. Et va dedans. Oh. Ce petit meurtre m'a donné envie de merguez. Putain, Plosia, t'as des idées cheloues quand même. Ah, il veut pas aller dedans, hein, putain. Faut que je comprenne comment ça marche. Une fois que j'aurai compris... Ah bah voilà. À présent, essaie de déplacer l'objet dans la boîte. Cette compétence consomme une partie de ton pouvoir. Tu peux aussi casser des objets avec cette compétence. Essaie de casser le café. D'accord. Tu peux également allumer des appareils avec la télékinésie. Essaie d'allumer la radio. Now you know what to do, my son. You must continue with your mission and bring me souls. Be careful, but show no mercy. Sois sans pitié. T'inquiète pas, papa. Toshi galère avec la voiture, mais carrément. J'ai galéré à la foutre dans la boîte. Bon, très bien. Très bien. 4 août 1972, tonalité mort. C'est au tour du concierge. Et bonne nuit, Cyriel. Et merci. Je veux le cœur de chaque victime. Ah, effectivement, il pleut. Le flic nous avait dit que lors de la mort du concierge, il pleuvait dehors. Eh ben écoutez, je pense que c'est... Il avait raison. Putain, j'ai pas le petit vélo, là. J'aimerais bien l'avoir. On pourrait se balader en vélo dans le manoir, c'est génial ça. Ok. Donc on a une ampoule, on a un peu de conneries, on a... Ouais ok, bon on verra bien. C'est parti. Allons tuer le concierge. Salut Amy SN. Ah merde, y'a maman. On va l'éviter, maman. Maman, fais pas chier. Maman, fais pas chier, maman. On va aller par là. Ok, bon. Tranquillou. Eh, cette maison est magnifique, hein, je l'adore, franchement. Elle est presque à la hauteur du manoir de Pinview Drive. Ah, oh. Le voilà. Le voilà. D'après les Crows, il faudrait ranger de la chambre pour avoir le vélo en cadeau. D'accord, ok. Salut toi. Alors, Ivor le concierge, il est toujours saoul, il ne remarquera rien si je sens ses plans. D'accord, ok. Comment on va faire? Liste des tâches du concierge. Est-ce que je peux... Ah, on a un stylo. On a modifié... Range ça, putain. Ah oui, il est complètement déchiré, en fait. Je crois qu'on vient de modifier ses listes de tâches. Ah, attendez. Hop, ça je prends. Ça peut être pas mal. On va en prendre deux. Ouais, on va en prendre deux, on sait jamais. Bon, pour l'instant... Ah, il part. Ok, est-ce qu'on peut fermer la porte? Ouais, nickel. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il va se noyer dans les chiottes? Ça peut être sympa, ça. Est-ce qu'on peut lire les notes? Putain, non, c'est trop compliqué. Ok, alors, attends. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hey, Amy SN, bienvenue à toi! Ils engagent du bon personnel, c'est clair. Toshi le piano, pourquoi tu me parles de piano, ça? En tout cas, on a une clé de 13, et effectivement, le piano, rappelez-vous, pour le modifier, il nous fallait une clé de 13. Et on l'a dans notre main, donc... Ah non, c'est pas ça, merde. Ah merde! Oh bon, faut pas oublier qu'on a la télékinésie aussi. Ça peut être sympa, ça. Ok, donc c'est pas la bonne clé. Donc en fait, si j'ai bien compris, lui, regardez. Sur sa liste, on a juste écrit, je pense, qu'il fallait réparer le piano. Donc il va réparer le piano, sauf qu'il se... Il voit que le piano n'a rien, donc c'est à nous de le détériorer, en fait. Donc il nous faut la clé qui est dans sa main. Il nous faut la clé qui est dans sa foutue main, là. Je sais pas comment on va faire ça. Bientôt 3 victimes. Bon, on va essayer. Jamais 203. Alors, attendez. Il nous faut une autre... Oh là! Ça devait être elle. J'ai volé une clé. Je devrais casser quelque chose avec ça. Nickel. Il faut aller au piano. Putain. Clé de 13. Nickel. Yes! Non, je suis repéré. Oh, l'enculé, il m'a eu. Non. Ah, merde. Ah merde, je me suis fait repérer, putain. Ok, faut tout recommencer. C'est pas grave, on sait quoi faire. Ah l'enculé, il nous a vu de loin, franchement. Je pense qu'on aurait dû fermer la porte derrière nous, en fait. Tout simplement. Le mec, on dirait qu'il est bourré. Bah, il est bourré, en fait. Il est complètement défoncé. Ok, donc le piano est là. Est-ce qu'on a la clé? Non, faut tout refaire, ok. Pas de soucis. Je croyais qu'il n'allait remarquer rien vu qu'il est bourré, on nous le dit en plus au début. On nous dit que tellement qu'il est déchiré, il va rien remarquer, donc moi j'y suis allé, tu vois. Premier fail, bah ouais. Bah ouais. Ok, on vient de modifier ses notes. Maintenant on va prendre la clé. Donc c'est une clé de 13, parfait. Allons-y, on va fermer la porte derrière nous. Voilà. Hop. Nickel. Et voilà. Je pense que c'est bon. Non? Non, me dis pas que je me... Non! Putain, non. Non. Maman, tu fais chier. Ah putain, non, merde. Bon, c'est vrai que je suis pas très doué, je vous l'avoue. Je vous l'avoue que c'est un peu le fail, là. Ah putain, merde. Fait griller, bah ouais, mais ouais. Hop. Alors. Ok. Maman! Putain, elle va nous voir. Attendez, on va cacher ça dans notre poche. On va attendre qu'elle passe.
about that handyman. Oui, 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 va parler au concierge, va parler au concierge. Ok, c'est parti. C'est le moment. Il y a personne. C'est parti. Ok, ça a l'air d'être bon. On va attendre tout simplement le moment venu. Alors attention, je vais ranger mon arme, ouais. Attention, peut-être que je dois faire... Attendez, je dois peut-être faire quelque chose avec la télékinésie là. Attends. Attends, ça marche pas. Je pourrais peut-être utiliser mes nouvelles compétences. Mais oui, bien sûr. Vas-y, utilise-les. Carrément, ouais. Pourquoi j'ai pas de pouvoir? Ah, la putain de croix, là. Cette putain de croix. Allez, retourne-toi. C'est elle qui m'empêchait. Ok, c'est parti. Yes! Ah non. Faut rester cliqué. C'est la fin. Que dire? Que dire à part que c'était totalement gore? Ok. I hate to tell you this, Mr. Wagner, but it seems your handyman was drunk as a skunk. He was an accident waiting to happen. I was going to fire him after the other incidents, but I just didn't have a heart. It's hard enough to keep the staff here with recent events. You can't blame... Bon, écoutez les Crows, ça fait 3 morts, on va faire une petite pause maintenant, je la prends un peu plus tôt que prévu. 11 septembre, bout pointu. Ok. Donc le quatrième décès est proche. This might be the worst case of professional neglect I've ever come across. Ok, on va faire une petite pause les Crows, je reviens d'ici 5 petites minutes comme d'habitude. On se dit à tout de suite.
Tac, on est back les crows. On est back. Hop, nickel. Je vais vous expliquer où c'est quoi, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Il s'est passé un truc de fou. J'ai voulu rien dire en live. En fait, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai fait une pause assez tôt, que j'étais à fond sur mon phone au troisième décès. En fait, j'étais pas concentré sur le live. Tout simplement car, je sais pas si vous avez vu le message en bas à droite. Je joue à Lucius avec une bibliothèque Steam partagée d'un pote. Et ce pote a décidé de jouer à un jeu de son compte Steam. Du coup, ça allait quitter Lucius dans 5 minutes. J'avais 5 minutes pour régler le problème. Et bienvenue Amélie Love Jonathan. Et donc, j'avais 5 minutes pour régler le problème. Donc, je commence à prendre mon phone, à l'envoyer des textos genre putain, arrête de jouer, sinon le Lucius va se couper. Donc, j'ai fait cette pause là et je viens de résoudre le problème. Il a quitté le jeu du coup. Donc ça me permet de continuer de jouer à Lucius tout simplement. Voilà, c'était un peu con, mais voilà. C'est pour ça que j'étais pas concentré sur la dernière mort. Je suis désolé, mais il fallait que je résous ce problème. Bref, problème résolu. Ok, donc on continue donc pour... attendez, parce que là je sais même plus où on est. On va regarder ça tout de suite. Ah d'accord, oh putain non. Ah d'accord, il faut que je le refasse. Ah oui d'accord, parce que le jeu s'est quitté du coup. Donc ça n'a pas sauvegardé, il faut que je refasse le troisième mort. Bon, au moins je serai un peu plus concentré et je verrai vraiment ce qui se passe. Parce que là, j'étais pas vraiment concentré. Allez, c'est parti. Bon, cette fois c'est la bonne hein. Retouchi, pas de soucis là Girard. Pas de soucis. Eh ben il est plus là. What? Mais non, c'est fait. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Oh putain. Il faut que j'aille au piano?
Bah non, c'est fait. Je ne comprends plus. C'est fait, le piano est fait, regardez. Le piano est fait, ok, donc on l'a bien tué. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Peut-être retourner à notre chambre, du coup. Je pensais que ça n'avait pas sauvegardé, mais si, en fait. La dernière mort, c'était la plus spectaculaire. Bah, j'ai vu sa tête qui a explosé, hein. Ça, je l'ai vu, vous inquiétez pas. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? On va retourner dans notre chambre. C'était par là. Voilà, on y est. Il y a certainement un truc à faire. Faudrait peut-être essayer de trouver notre mère ou quelqu'un, je sais pas. Je sais pas. Vaoli Lucius. Le mec il dort même plus, c'est le gamin il dort. Ah, elle est. C'est qui elle? Maman. As-tu rangé ta chambre? Je t'ai dit centaines de fois. Ah oui, 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 oui. On va aller ranger notre chambre. Très bonne idée. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir le vélo. On va faire ça, maman. On va faire ça. Alors. On va ranger notre chambre, c'est parti. On va déjà fermer la porte pour pas qu'elle nous voie faire de la télékinésie. Sinon, elle va se demander quoi. Ok. Mise à jour du service 10%. Ok, bon, on va essayer de ranger notre chambre. Maman, rentre pas, s'il te plaît, c'est pas le moment. Ok. Toshi, j'ai raté quoi? Tu as loupé 3 décès absolument oufissimes. On va attendre que ça se recharge. Allez! Oh là là! Putain, c'est galère ça par contre! Putain! C'est... T'as le ballon qui reste coincé. Qui reste coincé en plein vol en fait. C'est très pas maniable en fait ce truc. Hein. C'est vraiment pas maniable. Rentre là-dedans. Non! Oui! C'est bon. Je sais pas si ça se rangeait ici par contre. non, j'ai peut-être foiré là. Ça se rangeait peut-être pas dans le. Je crois qu'il faut ranger les voitures en fait. Toi tu dégages. Faut ranger les voitures. Ok. Pas de soucis. Parce qu'en fait ça va nous permettre d'avoir le vélo et j'ai vraiment envie de l'avoir le vélo donc on va tout faire pour l'avoir. Ok. Oh là, service effectué, statut du comportement actuel 50%. C'est plutôt cool ça. Et hop, 60%. Alors qu'est-ce qu'on peut ranger? Le ballon, je sais pas du tout où il va. Peut-être sur le lit. J'en sais rien. Ouais, bon. Je sais pas trop. Et du coup, c'est con. On nous a pas dit qu'il fallait tuer, là. Y a plus rien. Y a plus rien du tout. Je sais pas si c'est un bug. Ok. Nettoyer ma chambre. Ah, bah c'est fait, nettoyer ma chambre. Alors, est-ce que je vais avoir le vélo? On va retourner voir notre mère. Did you say hello to Jed yet? He's probably in the cold room. Jed, dans la chambre froide. Ah bah c'est peut-être notre prochaine victime, tiens. Jed, dans la chambre froide. On ira voir ça, les crocs. Je vais juste retrouver notre mère. Putain, le manoir est tellement grand. Wow. Je suis maudit, j'ai une connexion de merde ce soir. Bah désolé, en tout cas là le live de mon côté ne lag pas. Donc y a pas de soucis ce soir. Je vais aller voir. Ok, faut trouver la chambre froide. Allons-y. Merde. Je sais plus où c'est. Mini Zaza. Quoi? Toshi, tu as une planche de Ouija normalement dans ta chambre pour te donner un indice sur la mort à venir? What? Elle est où ma planche?
Parce qu'en fait, je connais la chambre par cœur et il n'y a absolument pas de planche. Hein. Oh, des voitures. Ouais. Hop, on va tout foutre là-dedans. Voilà. Maman, ma chambre est clean. Est-ce que je peux avoir mon vélo? Non, j'ai pas de table de Ouija dans ma chambre pour le moment, en tout cas. Bon. Ah, mais je suis con, hein. Mais putain, je suis con, on a un plan, on sait où on doit aller. Mais qu'est-ce que je suis con? Mais qu'est-ce que je suis con? On a une map. Nous avons une map, les Crozes, vous inquiétez pas. Hop, par ici. Tagla. Oh, on peut... Oh, c'est lui? Oh putain, c'est lui notre prochaine victime. Le boucher, oh là, ça va être horrible. Ça va être horrible celui-là. Ok, salut boucher. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares ce soir? Bonjour Lucius, tu ne devrais pas être ici. Ok, on va regarder le carnet. Donc il s'appelle Jed. Il travaille la viande crue ici, il faut que je trouve un moyen de l'embêter. Peut-être... Attends. Ok, il faut que je trouve un moyen de l'embêter. Peut-être avec les cartons. Je sais pas trop. D'accord, il est en train de mettre donc la viande là-dedans. Si j'utilise ma télékinésie devant lui, vous croyez qu'il se passe quoi? Quelqu'un peut te voir, merde. On va éviter du coup. Ok. Toshi, faut arrêter de boire avant le live, pourquoi? Je ne bois pas. Enfin, je bois, mais c'est du thé, quoi. Il n'y a pas d'alcool là-dedans. Bon, comment je peux faire pour le défoncer, lui? Comment je peux faire pour le défoncer? Ah, attendez, si je me planque et que j'utilise ma télékinésie sur un carton et que je fais... Repérer, merde. C'était pas du tout ça. D'accord. Ok, bon, c'est pas grave, on va recommencer, du coup. Et du coup, notre chambre n'est plus rangée, c'est quoi ce bordel? Non, faut pas ranger toute notre chambre encore. Non, c'est bon, ok. Notre chambre est nettoyée. Ah! Il faut se brosser les dents. Ok, elle est où la salle de bain? Peut-être qu'en écoutant les conseils de notre mère, on va avoir des espèces de bonus, comme le vélo ou la table de Ouija. Faut juste que je trouve la salle de bain. Écoute, on va aller se brosser les dents. Hein. Putain, c'est tellement grand, je vous jure. Oh là 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 là. Ah, ok. Brosse à dents. Ah, il y a une croix ici. On va vite la retourner. Je n'aime pas Jesus. Un robinet d'eau, d'accord. Est-ce qu'il y a une brosse à dents ici? On dirait bien que non. On dirait bien... Ah, peut-être dans les tiroirs. Nope, il n'y a pas de bronze. Ah, si. Yes! Service effectué 75%. Je me demande ce qui va se passer à 100% en fait. Ok, on va aller retourner voir notre mère. Elle doit pas être bien loin. Ah, non, c'est pas elle. Alors, on me dit qu'il faut casser la lumière derrière le boucher. Écoutez, on va essayer ça. J'aimerais juste retrouver notre petite maman là. T'es où maman? Si on la retrouve pas, on ira revoir le boucher pour lui casser la gueule. Bon, elle a pas l'air d'être ici. Tant pis, on va aller voir le boucher. Elle est peut-être dans le salon. Toshi, tu vas rire comment le boucher va mourir. Sérieux? Alors, il y a une lumière ici, effectivement. Ah, c'est vrai qu'on peut péter les lumières avec le... Mais oui! Comment je fais du coup? Attends, c'est vrai qu'on peut... Ah putain, ouais, c'est bon. C'est vrai. On peut casser la lumière.
Et oui. Et c'est ce qu'on va faire. Vous êtes prêts? Merde, attends, on va me voir là. Faut peut-être que je me planque derrière les pigs. Si je me planque derrière les pigs. Je sais pas. Ah, peut-être ici ou bien. Là, on me voit pas. Ouais, c'est bon, ça marche. Nickel. On vient de péter la lumière. Je crois que le concierge changeait les lampes tout à l'heure. Ok, il faut que je retourne voir le concierge donc. Putain, il casse les couilles celui-là. On l'a pas tué le concierge. Ah putain, c'est bizarre que les croix se remettent à chaque fois droit. Enfin, en même temps, normal. Je verrai une croix comme ça chez moi à retourner. Je la remettrai droite tout de suite. Hein. Oh! Oui! Elle a parlé de vélo. Elle a parlé de vélo. Il faut qu'on mette les poubelles dehors. Bon, par contre, va trouver les poubelles dans ce manoir, quoi. La rediffusion, tu la mets quand, mon petit Toshi? Ben, je la mets demain, logiquement. Après chaque live, c'est souvent le lendemain que la rediff est dispo sur la chaîne. Putain, c'est immense. Regardez-moi ça, ce couloir. Oh là 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 là. Waouh. Bon, attends, je m'égare. Faut qu'on retrouve le concierge. Ouais, j'ai plus de plan du coup. C'est moi qui dois me démerder pour trouver la lampe. Le concierge, on l'avait tué dans les chiottes, hein, si je me souviens bien. Alors, est-ce que le... Est-ce qu'il a laissé une lampe ici? Non. Ça serait trop beau. Ah, attendez. Non, il n'y a rien laissé ici. Peut-être dans les tiroirs. On sait jamais. Nope. Nope, nope, nope. Il n'y a que dalle. Ok, ok, ok. Gosse de riz, je vais mettre les poubelles dehors et tu auras un vélo. Logique. Totalement logique. Bon, les crocs, aidez-moi. Il faut que je trouve la lumière, là. Il faut que je trouve une lampe. Le problème, c'est que c'est trop grand, donc il faut m'aider, là. Si on veut pas y passer 3 heures. Putain, ce jeu est quand même vraiment cool. Hein. Eh, franchement, je connaissais pas. Bah, écoutez. Franchement, c'est une putain de surprise. Bon, est-ce qu'il va nous dire... Hey, Lucius, come and find me some new lamps, will you? I need to keep working here. Mais au pire, j'en ai une de lampe, je peux pas lui filer? Attends. Tu peux pas travailler comme ça? Non? Bon, dommage. T'as une ampoule dans ton inventaire. Ah! Exact. Oh putain, exact. Give me some new lamps, Lucius. Mais oui, je l'ai dans ma main, l'ampoule. Tiens. Putain, je peux pas. Ah, merde. Ah, c'est bon. Attends. Il est monté sur la 6, c'est ma chance. Oh, putain. Ok, c'est ma chance. Qu'est-ce que je dois faire, putain de bordel. Putain, je sais pas ce que je dois faire, les crocs, c'est horrible. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai des allumettes, mais ça ne sert à rien. Putain, mais oui, il a une scie, là, on peut pas l'activer d'ici, putain. Bon, on peut pas activer la scie. Il faut activer la scie, putain. C'est chaud. Comment je vais faire? Tue-le, mais comment je fais pour le tuer? Ah, attendez. Ah, c'est bon. Il y avait un interrupteur, putain, j'avais pas vu. Ok, c'est bon. Alors là, par contre, je me concentre. Je veux vraiment voir comment il crève. Tu peux sentir tes pouvoirs affectés? Ok, en fait, il y avait un interrupteur juste en dessous, j'avais pas vu. Nickel. Oh là là, ça va faire mal.
Oh putain. Oh putain. Oh. Ah putain, c'est horrible. Ah, serial killer. Et je sens le pouvoir. Yes. Ah, j'adore. Franchement, c'est ma mort préférée depuis le début. Ridiculous, Mr. Wagner. And I'm holding off the bureau from launching an inquiry. I'm posting a deputy at the house. It's more for your own protection. I wish I could explain these as more than accidents. C'était horrible. But I can't think of a motive. I can't imagine how anyone could have gotten away with this. We'll get to the bottom of it. Just consider this house on lockdown until something comes up. It wasn't a pretty sight. Heads sawn in half and blood everywhere. Ah. These freak accidents were keeping me up at night. Four quatre deaths morts, in quatre four mois. Months, all apparent accidents. But I had my doubts. I still had no clear suspects, no motives, no way to even start an investigation. At this point, I was only sure about one thing. It was not going to end here. I was right about that. Ah. Another month went by when we got the call to go back to the house. Ah. This time it was different. Cette fois, c'était un meurtre. D'accord. Donc cette fois, on n'a pas fait gaffe, je pense. On a dû laisser un indice ou quoi qui prouve que c'était un meurtre et pas un accident. 15 octobre 1972, manger équilibré. Super. C'est marrant sa tête du gars quand il s'est fait couper, on aurait dit un steak, tu sais. Une tranche de steak. Bon, nickel. Alors. Alors, j'aimerais bien. Déjà, avant de commencer le meurtre numéro 5, les Crows, j'aimerais aller sortir les poubelles. Be a good boy, Lucius, and see if Alistair needs help. Ouais, mais avant d'aller voir Alistair, je veux. Sortir les poubelles, maman. Est-ce que c'est possible? Je veux mon vélo, putain. En plus, Noël approche. Noël, nous sommes en octobre pour le moment. Noël, donc, c'est en décembre. Et donc, il faut vite que je sorte les poubelles si je veux avoir mon vélo. Oh, un croc. Eh ben, moi, j'en vois plein des crocs. J'en vois tous les jours. Ah, ça serait cool de trouver les poubelles, en fait. Attendez. Est-ce qu'il y aurait pas des petites poubelles par ici? Nope. Ça promet pour ce titre, carrément. Je pense qu'on va empoisonner quelqu'un ou un truc du genre. Bon, il n'y a pas de poubelle à l'entrée du manoir. D'ailleurs, si les Crows, si vous savez où sont les poubelles, je suis carrément preneur. Mais vraiment. Putain, carrément, ici, t'as un billard et tout, bon. Si vous savez où sont les poubelles, les Crows, dites-le moi dans le chat. Va dans la cuisine peut-être. Ah, c'est pas con. On va aller voir dans la cuisine. Pas con, pas con. Putain, regardez-moi ce manoir. Je vous l'ai pas encore montré. D'ailleurs, je l'ai pas encore vu. Putain, c'est immense. Hein. Regardez-moi ça. Un vrai château. C'est un château, en fait. On va aller voir dans la cuisine si les poubelles y sont. Non, il n'y a pas de poubelles. Dans la cuisine Toshi, bah j'y suis. Y a pas de poubelle. Malheureusement pour moi. Toshi, ta prochaine victime s'appelle Agnès et tu devras. Non, je préfère pas te le dire. Eh ben ne me le dis pas, tant mieux, au moins je le découvrirai. Sous-sol, s'il y en a un. Dans les toilettes, cuisine, poubelle, devant le portail. Quoi? Ah, les poubelles sont dans le bar, là où t'as vu le billard. Ok, on va aller voir. Vous me dites tous un truc différent, en fait. Une fois, c'est le billard, une fois, c'est la cuisine, une fois, c'est les toilettes. On va aller voir ça devant le billard, du coup, enfin, derrière le bar. Allez, Lucius, monte. Oh putain. Oh, il galère. Oh, il galère. Ok, donc. Ah, il y a quelqu'un derrière le bar, tiens. Alors, est-ce qu'il va me filer les putains de poubelles? Salut. Agnès m'a dit de get rid of these bloody rats before Thanksgiving. I'd like to see her getting up off her fat ass and try it.
m'en fous des rats, je veux juste des poubelles, moi. Putain, on est dans une bibliothèque, c'est vraiment immense, putain. Wow. Bon. Ok, bon, il y a pas de sac poubelle ni de poubelle derrière le bar, malheureusement. Non, il y a que dalle. En bas de la fenêtre, si ta poubelle n'a pas été descendue. En gros, personne ne sait où sont les poubelles. Mais exactement, Kaichou. En bas de la fenêtre, si la poubelle n'a pas été descendue. Quelle fenêtre? Dans les toilettes. Bon, pas les vérifier dans les chiottes. Bah écoutez, si c'est pas dans les chiottes, on ira tuer notre prochaine victime. Bon, je regarde juste, c'est con, c'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé avoir ma petite bicyclette. Alors si je me souviens bien, la salle de bain elle est par là. Elle est là. Non, elle est là. La 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 la. Nope. Ah si. Ah mais elle est vide. Ah oh, putain, on a une poubelle vide, je suis deg. Ok, on peut pas la prendre. Malheureusement. Tant pis. On peut pas la prendre, ok. Comment passer 35 minutes à chercher les poubelles? Non, c'est bon, je vais arrêter, tant pis pour les poubelles. On va aller buter là. On va aller buter des gens, ça me manque. Ça me manque un bon meurtre, les creuses. Ok, passons par là. Ok, c'est tout droit. Sorry, Lucius. Ok, on y est. Alors. Yes! Et c'est une femme! Nous allons tuer une femme ce soir. Ok. Il y a Joker qui nous dit, il faut combien de meurtres pour que le personnel décide de se barrer? Mais il a trop raison, sérieux. Il a trop raison. Ok, voilà Agnès. La chef domestique, c'est la plus méchante de tous. Son péché de gloutonnerie sera la raison de sa mort. Je vais la faire souffrir. Ok, donc elle a faim. D'accord, elle a faim. Elle a faim, cette grosse dame. Encore une poubelle ici. Je ne peux pas la prendre. Ok, donc elle a faim. Qu'est-ce qu'on fait quand on va lui rapporter à manger, bien sûr. Salut toi. Mais vous êtes combien dans ce manoir, sérieux? Il faut lui trouver à manger, les creuses. Et bienvenue, Zepex Pso. Bienvenue. Oh putain, on a un prof et tout ici. Non, mais j'ai pas le temps d'étudier là. Je n'ai pas le temps d'étudier. Alors du coup, c'est une partie du manoir que je ne connais absolument pas. Donc je suis un peu perdu là. On va essayer de retourner par ici. Ouais. Non mais sérieux, avec une maison pareille, inutile de pratiquer un sport. C'est tous les jours le sport. Pour aller d'un endroit à l'autre. Mais exactement. Alors vous m'avez dit, c'est presque fiable votre info, du coup j'ai envie de vérifier en fait. Faut juste que je retrouve mon putain de chemin. Oh là là, c'est trop grand. Alors c'était par là. Tac, tac. Alors beaucoup m'ont dit que les poubelles étaient bien derrière le bar à côté du mec. À côté du vieux, donc j'ai envie d'aller vérifier ça vite fait. J'ai vraiment envie d'avoir mon putain de vélo, les creuses. Le personnel doit se dire que ce n'est rien, ils sont morts, la faute a pas de chance. Bah,
She just keeps bossing people around. Jovita said she has to bring her more food every 5 minutes. She surely is quite the ball of oh. Blood, that lady. Oh, yes, on a trouvé. Morora, je ne peux pas prendre ça maintenant. Ils sauront que c'est moi. Je dois venir ici quand tout le monde dormira. Ok, donc il faut prendre ce poison de rat et aller la donner à la grosse. Putain, on a trouvé absolument par hasard. Ok, donc il faut que j'attende qu'il fasse nuit. Il faut que j'attende qu'il fasse nuit, les crozes. Nickel. Bah, vous voyez, les poubelles nous ont ramené à la mort de la grosse femme. Plutôt cool, ça. Cool, cool, cool. Ah, je croyais que c'était la table de Ouija, mais pas du tout. Nickel, nickel, nickel. Comment je fais pour attendre la nuit, les crosses? Dites-moi, faut que je retourne dormir? Comment je dois faire? Ou il faut juste attendre? Ah, elle est là. Je sais que t'as faim, t'inquiète pas. Ton repas va vite arriver. Bon, du coup, il faut attendre la nuit. Est-ce que je vais redormir dans mon lit? Est-ce que c'est la seule solution, du coup? Il faut que tu empoisonnes le plat de la fille avec la mort. Oui, mais avant, il faut que j'attende qu'il fasse nuit, les crozes. C'est très important. Il faut que je vais pouvoir prendre le truc, le poison, là. Juste quand il fera nuit, quand tout le monde dormira. Donc est-ce que je dois aller dormir? Ah, on dirait bien que oui. C'était ça. Ah, nickel, il fait nuit, putain, tout le monde dort. Alors là, par contre, il va falloir être super silencieux. Je me réveille au milieu de la nuit, je dois faire attention à ce que personne ne me voit ou ils me remettront au lit. D'accord. C'est parti. Mission secrète, les crozes, mission nocturne. Allons tuer la grosse femme. J'ai oublié son nom. Agnès. Agnès. Allons tuer Agnès. Ta mère est encore réveillée, elle ne doit pas te voir. Oh putain, ça fout les jetons. Oh putain, ça se transforme en horror game là. Merde, c'est fermé, putain, non. Merde, 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 merde. Oh putain. Oh putain, je suis dans la merde. Ok. Non. Merde, putain. Mais non. Non. Ouais, maintenant il faut que j'aille au bar. Bon putain, ça va être compliqué, je crois. Ça va être très compliqué. Ou alors faut juste se dépêcher en fait. Ok. Ta mère est encore réveillée. Ouais, je sais, je sais. Ok, c'est le moment de gérer les crozes. C'est le moment d'y aller à fond. Putain. Non, 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 non. Oh putain. Mais c'est impossible! Je crois qu'en fait, c'est elle qui doit ouvrir les portes. C'est elle qui doit ouvrir les portes, en fait. Faut se cacher. Pas le choix. La mère qui se balade au calme la nuit dans la maison. Non, mais elle, elle est louche. Elle est très louche, notre mère. Ok, bon, c'est pas grave. Oh, il faut se planquer. Il faut qu'on se planque, ok. La mère est chelou, elle dort jamais, elle s'arrête jamais. Ok, faut qu'on se cache. On va se cacher ici. On va se cacher ici, les crozes. Est-ce qu'on a notre lampe? Ouais. On a notre lampe, nickel. On l'entend. Écoutez, on l'entend. Elle va par là. Est-ce qu'elle va ouvrir la porte? Ouais, elle ouvre la porte. Par contre, je ne sais pas si elle est rentrée. Putain, j'ose même plus sortir. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je flippe? Ok, on dirait qu'elle a ouvert la porte, c'est cool. On va éteindre notre lampe torche pour le moment, les crozes. On va y aller lentement. On va juste la suivre, en fait. Ce qui va nous permettre d'aller au bar pour prendre le poison. Faut juste faire super gaffe. Genre là, tu vois. Là, je suis mal parce que je sais pas du tout où aller. Bon, je cours un peu. Allez. Yes, c'est ouvert. On va utiliser la lampe torche. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Putain, il est en train de fumer sa clope, ce con. Ok, on va essayer de passer par là.
Ah, il est en train de fumer sa clope là-bas. On va éviter d'allumer la lampe. On va passer par là. J'espère que c'est ouvert, putain. Oh, merde. Oh, putain, c'est fermé. Ok, il va falloir utiliser nos talents de télékinésie, je pense. Comment je vais faire ça? Ah, peut-être péter la lumière, ouais. Ouais, c'est ça. Nickel, on va péter la lumière. Voilà. Donc là, attends. Il va partir, ok. Donc là, ça va nous permettre de rentrer. Yes. Ok. Tout va bien. Yes! Yes! Ok. On va se planquer. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je me réveille au milieu essentiel. D'accord. On sait pas tout en fait. Ah bah c'est bon. Nickel. Il a pas une tête normale, Lucius. Bah c'est clair, attends. Regarde-moi cette tête quoi. Il a aucune expression sur son visage. Et regardez ce qu'on a, les creuses. Regardez ce qu'on a dans la main. Nickel, allez, on y va. Bon, j'ai toujours pas trouvé les poubelles, hein, putain. Les creuses, faut m'aider, là. Bon, alors, du coup. Be a good boy, Lucius, and see if Alice... Bring her food, go do everything at the same time. Now I know why Mary was always so... Ok, c'est elle qui va apporter la nourriture. Alors. Quelqu'un peut te voir, merde. Ok. Alors, attendez, elle va rapporter la nourriture. Donc, c'est ça. Ok, elle est en train de faire à bouffer. Ah, putain, elle est en train de le... Merde. C'est pas grave. Ok, c'est bon. Objet correctement utilisé. On vient de mettre le poison dans la bouffe, les creuses. Il y a juste à attendre que la femme de ménage prenne la bouffe. Et elle va crever gentiment. Putain, 3 burgers! Mais c'est quoi ce bordel? Bon, je dis ça, je dis rien. Quand je vais au McDo, je me prends aussi 3 burgers, donc... Et encore un petit croc, regardez! Un petit croc qui est en train de regarder à travers la fenêtre. Ça, c'est cool, putain. Et elle est en train de crever. C'est marrant, regarde, on dirait vous, le chat, c'est le corbeau qui est en train de regarder la meuf crever. C'est trop marrant. Franchement, c'est super cool. Yeah! Elle va mûrir! Height 5 Jedi, yes. Tu as acquis une nouvelle compétence, contrôle de l'esprit. Oh putain, ça va être bon ça. This is a clear case of poisoning, and I need to interview everyone in the house again. Who prepares the food around here now? I think it was Jovita, but I can't imagine she would be capable of something like this. Oh my God, why is this happening? It's for me to decide who is capable of what, Mr. Wagner. Would you consider vacating the house for a couple weeks until things calm down? We can't possibly do that, Mr. McGuffin. This is our home. We want to set things right. The autopsy showed that she was poisoned. After questioning everyone in the house, it seemed nearly all of them had some reason to dislike her. Jovita, the Latina maid, was the one who brought food to her. But this wasn't enough to press charges. I had no evidence of tampering. Christmas was just around the corner, and I got an invite from Mr. Wagner to join them for dinner. I had my doubts about sharing a table with a possible murderer, but I had to know more. But before I had any chance to snoop around, something else happened. No witnesses, no evidence. Something that can happen only on some very specific circumstances. Right weather, right spot, and the right time. Ok. Bon, ça fait quand même 5 morts dans ce manoir, et personne ne s'inquiète. Enfin, si, ils s'inquiètent, mais ça va, tu vois, ils sont pas trop inquiets. Du coup, on va avoir un nouveau pouvoir, les creuses. On va pouvoir contrôler l'esprit. Et ça va être génial, putain. Ça va être dément, je pense. Eh papa! I am thoroughly impressed. Merci! Listen, I have something else to teach you. You have the ability deep inside you
to look into people's minds. Ah ouais, and tell them ouais, what ouais, to ouais, do. Ouais, ouais, ouais. Ok. Let's unlock this ability together. Vas-y. Now, follow my instructions. Oh, very good. Ok. Pointe la silhouette. Ah d'accord, il y a quelqu'un là. Ok. Donc si je clique gauche, qu'est-ce que ça fait? Je peux contrôler son esprit. Donc là, il est contrôlé, c'est ça? Putain, attendez. Lorsqu'il est sous ton influence, ton pouvoir se dissipe. Ah d'accord, dans la zone sombre autour de lui... Tu peux lui faire utiliser des objets en cliquant sur l'objet lorsque la personne est sous son... Quoi ? Ah, ici ? Ah d'accord, attends. Ok. Alors, est-ce qu'il va le faire ? Non. Attends, j'ai pas compris. Logiquement, il est censé ramasser la roche là. Alors, attends. Lui faire utiliser des objets en cliquant sur l'objet lorsque la personne est sous influence. Ah d'accord, ok, il faut juste faire deux clics gauche très rapidement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est bugué. Il est en train de danser autour de, du truc, ce con, regardez-moi ça. Allez, prends-la. Oh, c'est bugué les crozes, regardez-moi ça. Allez, prends-la ta putain de roche. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas prendre la roche. Qu'est-ce qui lui arrive à lui, putain? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Dure la maîtrise de l'esprit intouchable, carrément. Attends. Pourquoi ça marche pas? Prends ton putain de rocher, casse-toi la gueule avec! Putain, il veut pas, hein. Il danse. Ah non, il est pas bien, là, regardez. Je crois que je l'ai fait bugger, en fait.